Seulement, il a un petit truc, c'est qu'il sait parler abeille. C'est-à-dire que lui, il arrive devant une ruche et il est capable de dire aux abeilles, salut les copines, moi aussi je suis une abeille. Alors, il ne va pas le dire avec des mots, bien entendu, mais toujours pareil, avec des odeurs. Et les abeilles vont se laisser avoir. Les abeilles vont dire, ouais, t'es bien une abeille, tu peux rentrer. Et il rentre. Et là, il va sortir sa trompe, la planter dans du miel, et il fait le plein. Et là, il repart. Il a intérêt de faire vite, parce que les abeilles, très vite, elles se disent, il a quand même une drôle de tronche, celui-là, pour une abeille. Donc, s'il sort pas rapidement, elles vont le tuer, hein. Et puis, hop, et il va partir, il va repartir vers l'Afrique. Et au passage, en Espagne, eh ben, il sait parler abeille espagnole aussi. Il fait, hola, chiquitita, yo soy una abejita, et hop, et pom, pareil. Puis quand il arrive au Maroc, c'est pareil. Salam alaikum, la bête, frère, mon cher frère, Abdullah, et hop. Et il arrive comme ça jusqu'en Afrique. Et l'année d'après, eh bien, il fera le chemin inverse, mais pas lui, c'est bébé. Bébé.